Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 34 du vlog de la caravane d'Utopiste. Cette semaine, vous les retrouvez pour leur dernier kilomètre en Alsace dans des paysages et des couleurs d'automne magnifiques, avec même deux petits crochets par l'Allemagne. On ouvre ce vlog avec une petite séance avec l'ostéo pour Marius et Symphonie. Et ils en avaient bien besoin. Et puis ensuite, ils ont terminé leur petit séjour, leur quinzaine de vacances dans une ferme équestre par une petite journée gymkhana, une petite épreuve de gymkhana et une petite journée de fête, quoi. Pendant cette période, ils ont aussi fait des rencontres assez incroyables avec des gens qui revenaient les rejoindre sur le chemin pour leur apporter du café, diverses choses, etc. Donc de belles rencontres marquantes encore. Et ben voilà, pour cette petite introduction, on vous laisse avec leurs images. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, et on vous le conseille fortement, c'est juste en bas à droite. Et si vous voulez les soutenir, les aider dans leur voyage en leur laissant un petit pourboire, n'hésitez pas à aller sur ce lien sur le site de Tipeee. Bye bye, bye, bye. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Oula. Ah c'est bon, on est prêts, juste on n'a pas nos... Nos chapeaux. Nous on a terminé. Mais c'est bon, c'est fait, c'est tourné en fait. C'est vrai? Ouais. Trop bon. Bon, incroyable. Anne-Victoire, c'est top. Hein. Bon, bah venez, on va boire une bière. Hein. Bah ouais, du coup, c'est fini. Cool. On va être cool, merci. Allez. Tout ce qu'il t'a dit, hein? Il vient de te dire fous-moi la paix. Une plaque gauche. Le nôtre? Oui. Entendu? Ça fait claque. Le genou. Ah ouais. Claque. Claque. Hein? Lui l'a entendu et pourtant il est plus vieux que toi. Ouais. C'est normal? Ouais, c'est normal. 6 mois de voyage et un peu de cérumen encore dans les oreilles. D'accord. Allez. Chaleur. Pas très discrète en fait. Ouais, pour ça. Disons, le fait qu'elle ait des chaleurs discrètes, ça veut dire qu'elle est hyper progestéronémique. Oui. Donc dans la phase lactation. Donc elle a beaucoup plus d'hormones de lactation que d'hormones de chaleur. Ouais. Sans estrogène. Donc il y a une balance hormonale qui est niquée. Ouais. Hein? D'où hypophyse aussi. Oui. D'accord? Sans relation, chef d'orchestre des glandes. Les facteurs majeurs et glandes sexuelles. Donc là, ça risque de la secouer dans le domaine, attention, hein. Elle risque d'être de nouveau normal et de faire chétonner avec des chaleurs et d'énerver le garçon. Voilà, et toi, elle résiste à ça? Ça, c'est la force de traction médulaire. Et c'est depuis qu'elle est toute petite.
Elle est tendue comme un string, si je puis me permettre. Entre devant, la cristagalie, et l'implantation antérieure de la peau du cerveau. Mm. Ménage s'insère ici, prof, ça suit, zip, jusqu'ici. C'est pour ça qu'ils ont fait un trait. Ils ont dessiné un trait pour... C'est matérialisé par ça, effectivement. Mm. Voilà. Donc maintenant, si je suis, voilà. C'est beaucoup plus soft. C'est mieux qu'avant. De toute façon, c'est vachement attachant comme animal, hein. C'est clair que... On va passer de l'autre côté, super. Baïa au pied! Baïa, dépêche-toi! Baïa au pied! Cali, retour! Cali, retour! Baïa! Cali, Baïa! Montélimar. 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 Mais maintenant il fait froid. Hein? Carte gentiment offerte par l'ancien directeur du site d'équithérapie où on est installé.
fait, on est en Allemagne, on n'a pas de carte. On doit suivre un chemin avec un trait vert. On se rend compte que le chemin avec le trait vert, il s'enfonce dans les bois. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On va quitter cette piste qui était plutôt sympa, mais on va voir. On est obligé de suivre le balisage. Ouais, surtout, on ne sait pas trop où mène cette piste du coup. Bon, alors on récupère les ânes, on y va ? Allez, c'est parti. C'est info. Ce vlog avec une séance d'ostéopathie pour... Oh, ostéopathie. Il n'y a plus de son. Non. On ouvre... Qu'est-ce que j'ai dit? On ouvre ce vlog. Ouais, c'est ça. Avec nous, il y en a toujours.